Catéchisme de Saint Pidis, page 150, la troisième demande du Notre Père. Que demandons-nous dans la troisième demande? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la troisième demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons la grâce de faire en toute chose la volonté de Dieu, en obéissant à ses saints commandements, aussi promptement que les anges et les saints lui obéissent dans le ciel. Nous demandons encore la grâce de correspondre aux divines inspirations et de vivre résignés à la volonté de Dieu quand il nous envoie des tribulations. Est-il nécessaire d'accomplir la volonté de Dieu? Il est aussi nécessaire d'accomplir la volonté de Dieu qu'il est nécessaire d'atteindre le salut éternel. Car Jésus-Christ a dit que celui-là seul entrera dans le royaume des cieux qui aura fait la volonté de son Père. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Nous pouvons connaître la volonté de Dieu spécialement par la voie de l'Église et de nos supérieurs spirituels établis par Dieu pour nous guider dans la voie du salut. Nous pouvons aussi connaître cette très sainte volonté par les divines inspirations et par les circonstances mêmes dans lesquelles le Seigneur nous a placés. Devons-nous toujours reconnaître la volonté de Dieu dans les événements heureux et malheureux de notre vie? Dans les événements tant heureux que malheureux de notre vie, nous devons toujours reconnaître la volonté de Dieu qui dispose ou permet tout pour notre bien. Je renonce à mon droit d'auteur et je place cette vidéo dans le domaine public.